petit déj. Voilà. Dodo, ça va, ça se passe bien le petit déj? C'est bon? Passe tout. On va voir du côté des vieux. Rory, comment on va? Non, il n'y a pas de jouer. Qui est en retard? Ah oui, c'est bon. Jums, Jojo, Namasté. Et voilà, maintenant, après le petit déjeuner, on va passer à une petite réunion suivie d'un petit rugby séparé. Allez, c'est parti. En direct de la laverie, du casse olympique, Pac le fidèle, le plus gros travailleur de l'équipe, il est là. Pac, prêt à faire une grosse journée? Oui, comme habitude. Oh Pac! Oh Marco! Anniversaire! Merci! Voilà, maintenant, je vais faire partager quand même notre vestiaire. Tiens! Douche, sauna. Et là, c'est le vestiaire. Et du vestiaire. Vraiment du lève-zou. Et maintenant, je vais vous amener dans le vestiaire des préparateurs physiques. Un endroit un peu spécial. Salut les prépas! Comment vous allez ce matin? Oui, il va bien. Voilà. Tu peux taper à la porte. Alors, c'est pour l'inside du casse olympique. Ouais. Voilà, donc là, on peut découvrir un calendrier, les joueurs. Voilà, il leur manque plus que le café. Vous voyez, ils sont bien là. Ils l'ont. Allez, bonne journée, les mecs. Voilà, les blessés déjà au boulot sont là, ça bosse dur. Oh, Richard Virenque! Oh, Richard Virenque! Tu tues? Non! Un mot? Voilà, il est là, il bosse, prépare le retour! Le retour! Après le petit déj, on remplit son état de forme, le poids, pas de douleur, ma souplesse, si j'ai bien dormi. Les courbatures. Voilà, ça va mettre une note sur 10. Ce matin, je suis à 7,9 sur 10. Pas trop mal, on peut s'entraîner. Voilà, Florian Vialel qui remplit son état de forme. T'as bien dormi, Vialou? Ouais, nickel. Steph, t'es prêt? Ah, moi, j'ai toujours prêt mon boulot. Voilà, la fidèle balance, elle est là. Va filmer, Chakouf. Va filmer, Chakouf. Sur toi. Et là, je vais vous présenter le plus costaud de l'équipe. Bruce. Bruce. Solide. Et là maintenant, le plus costaud des préparateurs physiques. Là, on est dans la salle de vie toujours, avec les photos des Olympiens actuels, Olympiens passés. Julien Dumora. Avec un magnifique tableau qui représente tous les anciens Olympiens. Fait par Ludovic Radosavljević. On peut y voir Caniche, Camille Girondeau, Payapa Nounou, Tapou, Jody Jenegger, Marc-Antoine, Danny Coteux. Il faut savoir que le deuxième meilleur joueur de ping-pong, c'est Ant Nkinzi. Il est exceptionnel. Et... Il est trop nul. Il est nul, ce mec. Ant, qu'est-ce que tu peux répondre à tes détracteurs? Tu l'as pas pris celui-là? Non. Tu l'as pas pris celui-là? Non. Que je peux jouer main gauche, main droite. Là, il est main droite. Youhou! Après toi, monsieur. Après toi. Non, j'y t'arrête, non. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais des gueules comme ça? Non, c'est la réunion, tranquille. On va travailler. Allez, c'est parti pour la réunion. Le gendre le plus parfait, le meilleur gendre du monde, Armand Bay, la classe internationale. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, il est là. Oui, il est là.
Mando, tu peux nous dire un petit mot, s'il te plaît. Après, les mecs, ça prépare le match ou quoi? Ouais, tranquille, on est qui? Ça prend des notes? C'est qui le plus studieux des deux? Louis. Oh non, c'est Poto. Large. J'écris mieux. Il écrit beaucoup plus. Moi, je synthétise. Moi, je fais déjà mes fiches synthétiques. C'est l'expérience. Pour pas user trop d'encre aussi. Maintenant, c'est préactivation. Avec Vincent Jacobi, directeur sportif de la performance du Castres Pig. Voilà, le programme d'échauffement qui est là avant d'aller dehors. C'est du boulot, la vie d'artiste. Antoine Tichit qui nous prépare son fameux bandeau. Pourquoi tu mets le bandeau, Tich? Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On va se frotter les oreilles. On va se frotter les oreilles où? On va le porter? Oui. Touche, mêlée. T'es prêt? Tista, c'est vrai que tu rentres dans la cage pour les mêler ce matin? Ouais, je suis en face de Tiche. Ça va être un combat compliqué parce qu'il est dur, quoi. Mon dernier combat contre lui a été victorieux. Ouais, donc je vais rester sur ça. Aïe aïe aïe! Partenaire de casier, Thomas Fortunel, Loïc Jacquet. Hans, il est pas ici, il est pas de ce côté normalement. Dégage, t'es pas là toi, dégage. Mais juste tu veux gratter l'amitié. Non, regarde bien, c'est pas son casier ici. Pourquoi tu viens ici, Hans? À vous, tu me kiffes. Ah, mais tu vois, je sens que je suis repoussé un peu, tu vois, les mecs, ils m'aiment pas. Alors, je suis un bon mec. Et voilà, la secrétaire médicale, Valoche, elle est là, toujours présente pour nous. Donc, un petit clin d'œil. Bonne journée, Valoche. Voilà, bureau médical. Ibs. Hé, Phil Barlow, viens s'il te plaît, viens nous montrer ce que tu t'es fait ce matin. Regardez-le, viens. Hey, regardez-le, ce matin, attends, on va rien. Doc, t'as des poils. Il a mis la tête. Oui, attends, monte, on n'a pas vu. On est là en place pour la vidéo. Bouli, ce matin, il a mis la tête, il s'est fait mal. Hey Gaëtan, j'espère que t'es meilleur au tir au sanglier qu'au lancer de ballon, hein. Voilà, maintenant on la réunion, on va manger. Allez, on va manger, let's go eat. On va manger. À table les cochons. Les chèvres, les trois quarts, bah. On va manger les jeunes. My man, how are you? Ça va. How was your first game for Castres Olympic? Good. Fun. What can you say in French? Please. Je m'appelle, s'il vous plaît. Tu t'appelles comment? What's your name? Je m'appelle Tom. Okay, nice to meet you. Have a good season, et Tom. Et toi? Là, c'est les coulisses. C'est les coulisses de la cuisine. Ils sont là, les cuistots. Ça va, Thomas? Ça va, et toi? Voilà, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Saumon sans salamette, il y a de l'entrecôte, il y a du filet mignon de porc et ensuite à l'entrée, il y a une petite entrée sympathique avec une soupe de poisson. Ça va, tu vas bien? Ça va, toi? Ouais, est-ce qu'il est bon, Tom, en tant que chef? Bien sûr que oui, c'est mieux. Tu peux pas dire autre chose, surtout. C'est mieux pour lui. Combien de saumons t'as pris? Voilà. Avec des deux saumons. Montre comment t'as mis. Montre deux petits coups. Voilà, c'est midi. On a mangé. On va aller se reposer. Avant ça, un petit café par le spécialiste Antoine Tichit, le pro de la machine à café. Il n'y a que lui dans ce club qui sait réparer les machines et les faire fonctionner. C'est mon travail, c'est pour ça que je suis là. Employé à plein temps. On va aller se reposer, petite sieste, jouer au ping-pong. Quel est ton niveau, Baptiste, sur le ping-pong? Genre de 1 à 10? Ouais. Mais dis-nous la vérité, hein. Ah, la vérité. Un 4, mais genre un 4 surprenant. Coquin. Un 4... capable de faire des coups. Un 4 capable d'être un 8 un jour, quoi, tu vois. Ok. Une étoile filante, quoi. Ouais, c'est ça. Je demande à Gaëtan, c'est Gaëtan le vrai joueur. Gaëtan, toi, si tu veux te noter ton évaluation au ping-pong, c'est de 1 sur 10. Ah, je suis Kosoken. Baptiste, c'est noté 4, mais coquin, capable de faire un 8 sur 10, tu vois. Je suis Kosoken. C'est une étoile filante. Mais toi, si je suis bien réveillé, je peux faire un 7 sur 10.
7 sur 10. Ah, bien réveillé, ouais. Non, mais ta note générale de moyenne, ta moyenne. 7. C'est ça, il faut pas écouter ça. Ces mecs sont tellement nuls qu'on peut filmer en même temps. Tellement ils sont catas. Voilà. On peut filmer. Oh oui. Oh là 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 là. Mais c'est magnifique. Ça c'est du ping-pong. Du ping-pong champagne. La tiche dans la salle kiné. Prêt pour la sieste. Regardez mes premières lignes. Ma petite paupiette. Gaëtan Barlow. Qu'est-ce qu'il dit le type? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ratatac. Dis le rat. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors le petit cochon Barlow. Et mon petit Baptiste. Bon bah qui glace le genou. Et Baptiste. Qu'est-ce que tu fais ici, Mario? Alors, Santiago, est-ce que tu peux parler français, por favor? Non, je ne Porque yo no entiendo nada. Vale? Ça y est, c'est déjà la fin de la journée. J'espère que vous avez passé un super moment avec nous. C'était important de vous faire découvrir un peu ce qu'on vit au quotidien, vous dire qu'on pense fort à vous et qu'on espère qu'on pourra bientôt se retrouver au bord du terrain. Allez, plein de gros bisous et à bientôt.